Demain, j'ai rendez-vous pour la biométrie à Paris. Du coup, j'en ai profité. On a pris des billets avec ma maman pour aller faire un petit week-end à Paris. Tranquille. Oui, à Paris, toutes les deux. Elle est trop mignonne. Château de Versailles, maman. Oui. T'es contente? J'avais compris. Bravo. On se fait un petit week-end tranquille à Paris. Il y a des restaurants, il y a des supérettes, il y a tout ce qu'il faut. Et maman a voulu ramener des casse-croûtes. Voilà. Madame casse-croûte? Ouais. Il est bon au moins? Ouais, ça va. Il se mange? Le pot est mieux, mais c'est pas mal. Et regardez juste derrière, là, c'est une rue blindée de restaurants. Voilà, donc on mange des casse-croûtes. On a réussi à avoir notre train pour aller à Notre-Dame. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas, mais maman, du haut de ses 70 ans, tartine vraiment bien. Ouais.
coincé. Oh, c'est juste en face. Ouais. Ah bah tiens, j'avais la 103 à l'époque. Découvrir que les tarifs étaient pas les mêmes que ce matin. Bah oui. Ça va, maman? Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime, maman. Au revoir, avec. Ok maman, on fait un petit débrief de la journée. Tourne-toi. Je suis en train de filmer. C'est pas vrai. Non, non, non. Quoi, oh non, non? Non, tu vas te foutre de moi après. Je me fous pas de toi. On a commencé par... La butte Montmartre. La basilique du Sacré-Cœur. Oui, bah c'est la butte Montmartre. T'as aimé? Ah oui. Qu'est-ce que t'as préféré? A few moments later. On est allé direct à Versailles. On avait plein de mecs tout moches. Ça ne se dit pas sur internet, maman. C'était des gens, des gars de l'époque, hein. Ah, punaise, oh là là. Oui, alors je suis loin. Oui, oui, effectivement, au château. On a fait la chasse aux physiques français de l'époque. C'était pas très... Oh, ils étaient pas pauvres, hein. Faut pas pousser la caisse, hein. Je vais être décensurée partout. Ensuite, donc on est revenu à Notre-Dame de Paris. C'est la cathédrale. Alors c'était, ça, c'était vite fait parce qu'on a vu que la façade et pas l'arrière-plan parce qu'elle était brûlée. Oui, on s'est dit qu'il y aurait des choses ouvertes à côté, mais tout était fermé. On a du coup juste pris une petite glace. Voilà. Oh, une belle rose. Ouais, c'était sympa ça. Elle c'était était super mal. Bonne, vraiment super bonne. Et après, on a fait quoi? Après, on est sorti, on est allé voir la Tour Eiffel. Non, les Champs-Élysées d'abord. Oui, on a cherché des manières. Voilà, encore. Et encore. Ensuite, on est allé à la Tour Eiffel. Ah. Voilà. T'as aimé la Tour Eiffel? Oui. Oui, moi aussi. C'est dommage que, bah, du coup, avec le couvre-feu. On n'a pas pu aller plus près parce que le temps était limité. Le temps était compté. En plus de ça, avec le couvre-feu, ben, les illuminations, on passe à côté. Donc, ça, c'est bien dommage. Ta première fois, ça aurait été sympa que tu puisses l'avoir illuminé quand même. C'est vraiment magnifique. Ah bah, on va chez Pierre, il en a une en miniature, il l'illumine. Puis on a tout vu. Et alors, sur toute cette journée, qu'est-ce que t'as préféré? Tout. À part les boutiques de souvenirs. Oh, j'ai bien aimé notre petit repas. Oui, non, mais je parle la des bières. La bière était bonne. A few moments later. En fait, je te demandais vraiment au niveau des monuments. Qu'est-ce que t'as préféré vivre? Qu'est-ce que t'as préféré voir? Bah, j'ai tout aimé, hein, parce que je suis très, très, très artistique. D'accord. Mais qu'est-ce que t'as préféré? Oh, ah, bah, la butte Montmartre, c'était pas mal du tout. Il y en a eu tes escaliers. Eh, franchement, tu tiens le choc, hein. Bah, ça va, tu te fous de moi. J'ai l'impression d'avoir 150 ans quand tu me dis ça. Ben, pas loin, hein. À demain. Bye bye.
Voilà, on commence le deuxième jour à Clichy pour mon rendez-vous avec la biométrie. On prend le petit-déj dans un petit parc. Hein, maman? Voilà. Et franchement, c'est sympathique. C'est pas comme si on était dans une boulangerie, mais en tout cas, c'est... parenthèse sur les empreintes biométriques ici parce que sur place c'était un peu compliqué à faire. Moi j'avais choisi le CRDV de Paris parce que c'était celui qui était le plus proche de chez moi, mais aussi ça me permettait de faire découvrir la capitale à ma maman parce qu'elle l'avait encore jamais vue, donc c'était une bonne occasion de manier l'utile à l'agréable. Une fois arrivé sur place, au niveau du numéro de rue, ils vous disent que c'est le 13, mais en fait c'est le 11, donc il faut attendre de... J'ai le chat qui est en train de faire n'importe quoi derrière. Une fois que vous êtes devant le 11, devant cette fameuse grille, il y a tous les rendez-vous du même créneau qui vont s'accumuler. Et une fois que tout le monde est là, un agent vient vous chercher et vous emmène au premier étage du bâtiment. Donc à ce moment-là, il vous demande de sortir votre passeport, votre lettre d'instruction pour la collecte des données biométriques. Ce papier-là, vous le réceptionnez une fois que vous avez payé pour votre permis d'études. Et il vous demande également le papier attestant de votre rendez-vous à ce CRDV. À ce moment précis, vous fournissez un petit papier avec un numéro, vous savez, comme dans les files d'attente à la préfecture par exemple. Voilà, dans mon cas, je n'ai pas du tout attendu. J'ai à peine posé mes fesses que j'ai pu tout de suite me lever et puis partir donc dans un long couloir avec une tonne de bureaux qui se succédaient les uns derrière les autres. Et je suis rentrée dans l'un d'eux et c'est une personne très 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 sympathique qui m'a accueillie. Donc ça fait plaisir, ça met à l'aise tout de suite. Et franchement, si je vous dis que le rendez-vous a duré 3 minutes top chrono, je ne vous mens absolument pas. Donc elle m'a juste posé 2-3 questions pour confirmer mon identité et on a attaqué par les empreintes. Donc on a commencé par les empreintes des 4 doigts de chaque main, ensuite on a fait les pouces et ensuite je me suis déportée sur un autre fauteuil sur lequel on a pris une photo de mon visage. À ce moment-là, elle m'a donné encore une fois un petit papier mais avec mes numéros de données biométriques. Et puis l'affaire était dans le sac, il n'y avait plus qu'à passer le reste du week-end à faire découvrir des choses à ma maman. Voilà!
globe trotteuse. Oui, bah toi ou... Bah toi, bah si.